solo un suspiro que nos asegure el alma, que si hay miedo no se calma, que no se encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere, este amor no se muere aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. Quelqu'un d'autre que moi. C'est parfaitement ce que tu as fait. Et pas seulement ça. Pas seulement ça. Il détient même les preuves pour le démontrer. Oui, oui, c'est bien possible. Mais non. Gabino Mendoza n'a pas intérêt à me trahir. Ah bon, Gabino Mendoza est au courant. Vous ne parliez pas de lui? Non, non. Je ne savais pas que ce Gabino Mendoza en question... était donc lui aussi au courant de la vérité? Oh, mon père, s'il vous plaît. Pardieu, mais lui, il était... C'était l'homme de confiance de Rosendo. C'est lui qui nous couvrait avec Alfonsina quand on faisait nos escapades. Ça veut dire que pendant toutes ces années, Gabino Mendoza a donc... lui aussi était ton complice? Non, non, disons que... bien que qu'il m'aidait à garder le petit secret, tout comme vous, quoi. Hmm? Bien, je suis au regret de t'informer que je ne parlais pas de lui, en fait. Non. Ne jouez pas avec moi. Parce que moi, je n'ai pas peur de jurer devant votre Dieu que cela pourrait vous coûter très cher. Chut. Garde tes menaces pour un autre. Je n'en ai vraiment que faire. Vous êtes en train de me mentir. Absolument personne ne peut connaître la vérité. Tu me crois capable de mentir? Ici! Dans ce sanctuaire sacré auquel tu n'appartiens même pas! Dans la maison de Dieu, en face de cet hôtel. Mais alors qui est-ce? Qui? Qui d'autre le sait? Qui est au courant de tout? Tu ne peux pas me demander de briser un secret de confession, hein? Hmm? Mais tout ce que je peux te dire, c'est qu'il s'agit de quelqu'un d'aussi proche de toi que ta propre ombre. Et en même temps, tellement éloigné de toi que tu n'as aucun moyen de découvrir sa véritable identité. Carmina, Augusto ne va pas tarder à découvrir tes mensonges. Et à partir de ce moment crucial, tu n'auras même plus une seule seconde de paix. Enfin, à moins que, bien sûr, tu ne confesses toi-même tout ce que tu as fait. Jamais. Vous m'entendez? Jamais je ne me confesserai. Confesse-toi avant qu'il ne soit trop tard pour toi. Parce que le bien, la lumière et la vérité, un jour ou l'autre, finiront par éclater. Pour le moment, ils sont en train de taper à ta porte. Je pensais que malgré tout, le père d'Elisa était un homme très honnête, mais... je me trompais complètement, Gaël. Il me déçoit de plus en plus. Non, 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 attends, ne le juge pas, lui non plus. Monsieur Augusto n'est pas responsable, Paloma, non, non. C'est Kenya qui était complètement obsédée par lui, alors c'est ça le Gaël, problème. Gaël, 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 si tu savais toutes les choses que j'ai découvertes, tu ne dirais pas ça. Bon, eh bien, quelle chose? Raconte-moi. Eh bien, monsieur Augusto s'est plaint toute sa vie que la mère d'Elisa lui a été infidèle. Hein? Mais lui, il loge à la même enseigne. Parce qu'il ne s'est pas gêné pour tromper lui aussi, Madame Stefania, de son voyons, vivant. Voyons, Paloma, d'où tu sors ça? Mais... j'ai trouvé... hein? Le dossier médical de Madame Carmina. Et il se trouve que Monsieur Augusto l'avait déjà bien mise enceinte avant que ne meure sa première femme. Ah, alors c'est pour ça qu'ils se sont mariés oui, si vite après sa mort. Ça. Mais attends, tu l'as déjà dit, Elisa? Non.
Non, non. Il faut lui dire. Non. On doit lui dire. Pas de lui dire quoi que ce soit, Gaël. Non. Chut. J'ai juré à ma grand-mère que je n'allais rien dire du tout. Et si je te le raconte à toi, c'est parce que tu es mon petit ami. Et je ne veux pas qu'il y ait des secrets entre nous et tout ça. Et il faut qu'on se dise tout et... Quoi? Il va falloir que je parle à Kenya. Je t'accompagne. Oui. Qui est-ce ? Gabino. Comme ça, c'est nouveau. Tu prends l'habitude de débarquer dans mon bureau alors même que je ne te fais pas appeler. Et vous, vous prenez l'habitude de ne pas jouer franc-jeu avec moi. Ne me parle plus jamais sur ce ton. Excusez-moi, mais je ne comprends pas ce que fout Monsieur Landucci à la direction de l'entreprise. Vous m'avez dit que quand Damien démissionnerait, j'allais me charger de tout et je n'ai aucune idée de ce qui se passe là. Bien que je t'ai dit ça, j'ai changé d'avis. Mais madame, pourquoi vous me faites ça ? Sérieusement. Mais ce n'est pas contre toi, Gabino. Si j'ai pris la décision d'embaucher Guido, c'est parce que je considère que mon affaire sera entre de meilleures mains. Guido s'y connaît. C'est un homme mature, il a de l'expérience. Mais il ne connaît rien au piment habaneros et il a encore moins d'expérience que moi dans cette société. Bien sûr que si. Ce n'est pas la première société dont il s'occupe. Et j'espère en tout cas qu'il n'est pas comme son petit frère. Parce qu'on sait tous que Paolo... Pardonne-moi. Guido et son frère sont très différents. Guido est un homme responsable. J'ai pleinement confiance en lui. Plus que moi ? C'est évident. Écoutez, madame, je ne serai jamais un homme du monde et ces salades dont vous me parlez, j'y comprends rien. Seulement moi, ça commence à faire longtemps maintenant que je vous sers de petits clébards. C'est que je ne comprends pas tes reproches. Voyons, Gabino, je ne sais pas d'où tu sors cette idée absurde. Qu'un jour, toi, tu puisses être à la tête de mon entreprise. Ça a toujours été une entreprise familiale. Et toi, Gabino, pardonne-moi, mais tu n'es pas de ma famille. Tu fais juste partie de mes employés. J'espère que c'est bien clair. Très bien, très clair, Madame Alfonsina. D'accord, alors maintenant, tu peux y aller et va faire ce que tu as à faire, tu dois avoir du travail. Quoi ? Tu t'es fait remettre en place par la patronne ? Parce que là, tu es vraiment rouge de colère. Ou tu as mangé un piment fort ? Ça suffit, Tonya. Lâche-moi, lâche-moi. Qu'est-ce qui t'arrive, hein ? T'es jalouse ou quoi ? Lâche-moi, je te dis. Non, je te lâcherai pas. Tu vas arrêter de me provoquer, d'accord ? Si tu ne me lâches pas, je me mets à hurler, Gabino. Pas de menace avec moi, Tonya. C'est quoi ton problème avec moi ? Ça gêne que je sois avec une autre et que je te regarde plus comme avant, c'est ça ? Si c'est ça, viens ici. Je vais te montrer ce que c'est que d'avoir un vrai mec, hein ? Je vais lâche-moi te montrer. Brolio est bien plus macho que toi. Et même, n'importe qui est beaucoup plus macho que toi. Pourquoi tu dis des bêtises, hein ? Avec moi, ne fais pas ta sainte ni touche, Tonya. Je sais parfaitement quel genre de femme tu es, hein ? Je ne sais rien du tout. Comment ça, je sais rien, hein ? Comment ça, je sais rien ? Je te connais parfaitement, Tonya. Que je suis prêt à parier. Que t'es en train de trembler, mais pas de peur. Mais parce que tu meurs d'envie. Que je t'embrasse en pleine bouche. Lâche-moi ! Mais oublie ça. Tu me dégoûtes, trouve-toi quelqu'un d'autre qui te rendra ce service. Moi, c'est fini. Arrête d'insister, mon amour. Kenya n'est pas chez elle. Ce serait mieux que tu reviennes plus tard si tu veux lui parler. Oui, tu as raison. On ferait mieux d'y aller. Elisa, je crois que tu devrais laisser ton père se charger de ça. Il m'a assuré avoir éclairci toutes les choses avec Kenya et ne pas vouloir la revoir. Bon, bah alors... Qu'est-ce qui te préoccupe ? Eh bien, que ce soit précisément Kenya qui commette une folie dans le but d'attirer l'attention de mon père. Oh ! Doucement ! On dirait que t'as le diable aux trousses. Fiche-moi la paix, Gabino ! Eh, Horacio, du calme ! Qu'est-ce que tu fais dans la propriété des Castagnoles ? Monsieur Augusto m'a offert du travail. Donc tu ferais mieux de te tirer parce que je ne veux pas de problème avec Dolores, c'est clair, non ? Je veux juste savoir si t'as vu la demoiselle Kenya par ici. Oui, je l'ai bien vu, Gabino.
L'autre jour, elle est venue et... elle m'a laissé une lettre pour Monsieur Augusto. Et tu lui as remise? Mais bien sûr que non. Parce que j'ai bien compris que Madame Carmina ne devait rien savoir de cette lettre. Et je dois absolument marquer des points avec Madame Carmina pour éviter les problèmes. Et tu l'as remise à Carmina? Bien entendu que je lui ai remise. Et après, je l'ai enlevée et je l'ai remise. Est-ce que t'as lu ce que disait cette lettre? Mais ça m'avance à quoi de savoir ce que dit cette lettre ou non? Écoute, Horatio. Je vais te demander un service. Si tu vois cette demoiselle Kenya par ici, ne la laisse en aucun cas parler à Augusto ou Carmina. Question de vie ou de mort, ok? Elisa... Arrête. Arrête, arrête. Je crois qu'on va se dire au revoir ici. Tu dois rejoindre Gaël à la serre et je veux pas que tu sois en retard. Ne t'inquiète pas pour ça. Je veux te raccompagner chez toi. Je préfère rentrer seule. Je ne veux pas qu'on nous voit arriver ensemble. Eh bien, moi, j'aimerais bien que ton père nous trouve ensemble parce que... comme ça, on pourra en profiter pour lui parler définitivement de ce qu'il y a entre nous. N'essaie pas de me contrarier. Je t'ai demandé un peu de temps. Et je t'ai déjà dit que cette fois, je tiens à ce qu'on fasse les choses comme il se doit, sans se cacher de personne. D'accord, mais laisse-moi d'abord parler avec lui. C'est quelque chose que je t'avais demandé. S'il te plaît. En plus, je te promets qu'aujourd'hui même, je parle avec lui. Tiens. Madame. Horatio, espèce d'imbécile, tu m'as fait peur. Ben, vous devez en avoir sur la conscience, non? Ben, la mienne n'est pas aussi sale que la tienne. Qu'est-ce que tu veux? Non, rien. Rien, j'ai juste pensé que... ça vous intéresserait de savoir que Gabino Mendoza est venu me demander... des nouvelles de cette jeune fille qui a laissé la lettre pour votre mari. Qu'est-ce que tu lui as dit? Bah ça, qu'elle a laissé la lettre et qu'au lieu de la donner au patron, je voulais donner à vous pour éviter de faire des vagues. Espèce d'imbécile. Comment peux-tu être aussi stupide? Mais est-ce que vous m'avez demandé de ne rien dire ah, ou non? Ah, parce qu'il fallait que je te le demande, Horatio. Il te manque une case? Non, mais tu n'as donc rien dans la tête? Non. Tu n'as pas commis la même sottise avec Dolores, mais n'est-ce pas? Mais ça, bien sûr que non, madame. Dolores n'est pas au courant que je traite avec... avec Gabino et avec vous. Je veux que tu ne reparles de ça à personne, compris? D'accord, madame. Excusez-moi. Hé hey, attends. J'aurais besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Mais personne, absolument personne, ne doit te voir. Monsieur Lucho. Hmm? Partez maintenant. Vous m'avez veillé ici toute la nuit et vous... vous avez besoin de repos. Moi, personne ne m'attend à la maison. Et ça me fait du bien d'avoir un peu de compagnie. Et en plus, c'est toi qui n'as pas voulu que je prévienne ta famille de ce qui s'est passé, hein? Écoutez, je ne veux pas que les choses prennent davantage d'ampleur. En plus... je viens de décider que je suis guéri. Mais non, enfin, Edmundo, regarde-toi un peu. Tu n'es même pas capable de te lever tout seul. Non, n'exagérez pas, monsieur Lucho, n'exagérez pas. En vérité, je n'ai même pas une seule fracture. Non, mais ça n'est fallu de peu pour qu'Augusto te brise tous les os. Tu l'as échappé belle. Mais il faut dire que tu l'avais bien cherché en tournant autour de sa femme, hein? C'est que cette femme... m'a rendu fou. Et je vous jure, monsieur Lucho, que... au début, j'ai essayé de résister, mais... c'est qu'avec autant de problèmes dans mon couple... Écoute, je ne te demande rien, moi. Tu n'as pas besoin de me donner la moindre explication. Garde-la plutôt pour Augusto, quand vous parlerez de ça tous les deux, hein? Et je peux vous assurer que mon aventure avec Carmina... c'est du passé depuis bien longtemps. Docteur? Docteur, on m'a dit que je pouvais vous trouver ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez-moi ça! Mon Dieu, vous êtes complètement défiguré. Eh ben oui. Oui, je vous remercie beaucoup. Mais vraiment, vraiment, mon ami m'a dit que ça ne l'intéressait pas de récupérer la caution. Oui, je sais que c'est un an de loyer. À partir de demain. Bien. Également, merci infiniment.
Gabino Mendoza, s'il vous plaît. Avec qui parlais-tu, Carmina? Mon chéri, je ne savais pas que tu étais à la maison. À cette heure-ci, tu es toujours à la plantation. Et pourquoi tu as raccroché? Parce que j'étais en train de parler à Bégonia. Je voulais l'inviter à prendre un café. Je m'ennuie. Mais plus maintenant. Plus maintenant, parce que tu es rentré, je préfère rester avec toi. Tu devrais éviter cette amitié, hein? Avec cette femme, Bégonia Tovar. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu me dis ça? Pour rien. Tu sais ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a, Augusto? Pourquoi es-tu si sensible à ce que je fais? Sensible, non. Indifférent. Ni sensible, ni indifférent, ni sérieux, ni rien. Allez, arrête de te comporter comme ça. On s'est mis d'accord pour se donner une chance, ou non? Quoi? Tu as l'air... Tu es très tendu. Augusto, s'il te plaît. Tu es trop tendu. Enfin, détends-toi. Allez, viens. Je sais, je vais te faire un massage. Viens, on s'en va d'ici. Tu dois te détendre. Beaucoup, 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 beaucoup. Et ça, c'est moi qui m'en occupe. Cette idiote de Madame Alfonsina a offert son entreprise sur un plateau d'argent à cet imbécile qui la convoite. Oh, j'arrive pas à le croire. Cette aigrie d'Alfonsina aurait un prétendant, c'est ça? Un homme du monde, Goudo Landoufi ou un truc comme ça. Je crois que tu es jaloux, Gabino. Je suis pas jaloux, hein. Je suis scandalisé. Ça ne se fait pas. Cette vieille peau ne peut pas me mettre sur la touche après toutes ces années, non? Avaler ses mauvais traitements et ses humiliations, non mais... Ça veut dire tu quoi, calmes, ça? Calme, Gabino, mais calme-toi. Je peux t'assurer que tôt ou tard, Alfonsina va regretter cette décision, crois-moi. Ce type a très mauvaise réputation dans la capitale. Qu'est-ce que tu veux dire par là? N'importe quelle société dégénère entre ses mains. Cet homme a fait banqueroute, Gabino. En plus, il y a des gens qui assurent qu'il a certainement fraudé pour que ses entreprises en arrivent là, à la faillite, tellement elles ont mal fini. Et il faut que Madame Alfonsina sache ça. Et le plus tôt sera le mieux. Non, 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 ne sois pas stupide, Gabino. Quoi? Cette femme ne mérite pas que tu la protèges. Ce qu'il faut qu'on fasse, nous, c'est arriver à tirer profit de cette situation. Je te comprends pas vraiment. Je comprends absolument pas ce que tu veux dire. Mais je ne peux pas me permettre que l'entreprise coule entre les mains de ce crétin qui vient à peine d'arriver, cet opportuniste! Au contraire, Gabino. C'est précisément ce qu'il va falloir qu'on arrive à faire. Détruire cette usine jusqu'à ses fondations. Récupérer tout l'argent et faire accuser ce Guido Landucci de fraude. Délicieux. Ah non, 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 non. Ne mange pas cette poire parce que le dîner sera prêt d'une minute à l'autre. Ah, mais on dirait que tout se passe très bien avec Damian. Regarde-moi ce visage qui brille, mon poussin. L'amour te transporte au septième ciel, ma jolie. Parle plutôt pour toi, qui va bientôt épouser Horatio et qui meurt d'envie d'enfiler une robe de mariée, ou non? Non, non. Pas autant que toi qui voulais même te marier avec Damian en cachette. Lolita, Damian ne veut plus du tout qu'on se cache cette fois-ci. Et je lui ai promis qu'aujourd'hui j'allais parler à mon père. Pour lui dire que oui, on est ensemble. Ton père ne va pas du tout apprécier. Je sais. Mais je le laisserai pas nous séparer encore. Et ça, je vais bien lui faire comprendre. Il est rentré? Non. Figure-toi qu'il n'est pas sorti de toute la journée. Ils se sont enfermés dans leur chambre toute l'après-midi. Et ils n'en sont pas sortis. Eh bien, la réconciliation a l'air sérieuse. Ah, mais bon, il faut voir pour combien de temps. Moi, à vrai dire, je ne leur donne pas 2 jours pour se séparer.